Seigneur vous bénisse. Alors, bonsoir. Oui. C'est là-bas. C'est là-bas. D'accord. Ok. Vous savez, c'est une joie pour nous de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau numéro de la Dépendance Totale. Que Dieu vous bénisse et nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette émission. Chérie, tu veux dire un bonjour pendant que je partage? Oui. Alors, bonjour. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore sur notre émission La Dépendance Totale. J'espère que vous, vous êtes connectés et que tout se passe bien. Si vous, dites-nous si le son est parfait. Ok? Et ensemble, comme vous le savez, hein, on patiente un peu, le temps d'attendre un peu les autres, mais on va partager. Oui, nous sommes quatre. Notre challenge ce soir, c'est de partager au maximum. Amen. D'accord? Allez, partageons. Le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur va encore nous parler ce soir. Le Seigneur va encore visiter la vie d'une personne. Toi qui es connecté, toi qui es chez toi, ne reste pas seul, ne sois pas seul. Trouve quelqu'un. Alors, si tu es seul, alors profite en max. Profite de ce temps. Profite des conseils que nous allons partager ce soir. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est un moment de partage. Nous allons partager avec vous. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois je ne sais de quelle religion, mais ce soir, nous aspirons à la connaissance. La Bible déclare ceci, que seule la connaissance libère. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Tant que lorsque on vit dans l'ignorance, eh bien, je peux vous garantir l'échec total. Mais lorsque nous aspirons à la connaissance, c'est une autre dimension et ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, ce que tu vas faire avec moi, c'est de partager. On va faire comme la dernière fois. Ok? Si la régie peut... Chérie, c'est bon pour oui, pour tout moi? Va bien, tout va bien. Okay. Partageons. Allez, vous savez, on va envoyer en max. Hein? Que le Seigneur vous bénisse et nous voulons saluer tous nos frères et sœurs qui sont connectés maintenant. Mm-hmm. Que le Seigneur vous bénisse et soyez dans la joie, soyez dans la paix et soyez la bienvenue dans ce direct. Oui. Sur la solitude dans les couples. Et Amen. Ce soir, par la grâce de Dieu, le Seigneur va parler dans le cœur d'une personne. Dieu Amen. Va se révéler. Ce soir, c'est vraiment une joie pour vous, pour nous de vous retrouver. Alors, vous savez quoi faire, hein, cher oui, ami. Oui, nous sommes en train juste de partager. Alors, c'est pas encore ça. Alors, nous sommes un peu timides ce soir. Est-ce qu'il y a des violons qui sont connectés? Alors, partagez pour la gloire de Dieu. Pas pour la gloire d'un homme, mais pour la gloire de Dieu. Partageons. Et une vie sera certainement transformée à travers cette émission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, la semaine passée, par la grâce de Dieu, nous avons introduit ce sujet sur la solitude dans les couples, dans les familles. Je vous assure que nous avons eu beaucoup d'encouragement, beaucoup de familles, beaucoup de couples ont été touchés par ce message, par cette émission. Et nous sommes vraiment dans la joie, nous sommes encouragés, fortement encouragés. De savoir que ce que nous faisons bénit des vies, que ce que nous faisons apporte une solution hein, dans un mariage, dans un ménage. Et ce soir, nous bénissons le Seigneur pour ce prospérité. Moment. Shalom, je suis en train juste de dire bonjour chérie. Excuse-moi de te couper. C'est juste que, oui, partageons. Alors ce soir, nous allons continuer, mais avant de continuer, je souhaiterais que vraiment que nous puissions partager ce live autour de nous pour que d'autres personnes puissent également en bénéficier. Que nous le Seigneur vous bénisse. Nous patientons quelques minutes, quelques secondes. Oui, taguez, mettez le nom d'une personne que vous connaissez. Oui, ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps, hein. Taguer, quand on peut taguer. Oui, on est de la vieille génération, vous savez.
Taguez, mettez le nom d'une personne que vous connaissez. Dès que vous allez mettre le nom de la personne sera tout de suite, il y aura la notification, la personne recevra la notification qui lui dira que cette personne est invitée. Et cette personne n'aura juste qu'à cliquer sur l'invitation pour accéder à l'émission. Faisons-le. Vous savez, à l'église, nous avons décidé, nous avons reçu de la part du Seigneur que cette année, c'est l'année d'Anakazu. Anakazu qui veut dire contrainte, forcée, force by force. Nous obligé. Devons obliger. Alors nous devons propulser, nous devons annoncer l'évangile par quels que soient les moyens. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Vous suivez les infos, vous voyez ce qui se passe sur BFM, vous voyez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et de vous à moi, nous savons que les temps sont mauvais. Nous savons que l'heure est grave. Alléluia. Il n'y a que les enfants de Dieu qui dorment encore. Il n'y a que les enfants de Dieu qui pensent que tout va bien. Il n'y a que les enfants de Dieu qui pensent que les choses vont revenir comme avant. Les choses seront comme avant. Les choses vont reprendre comme avant. Vous savez, il y a eu des semblants de déconfinement. Mais vous comprenez que ce n'est pas totalement... On vous ouvre pas totalement la liberté. J'en profite pour dire à une personne que la liberté que le monde donne, ce n'est pas la liberté que Dieu donne. Alléluia. La Bible déclare que la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais nous voyons aujourd'hui comment les choses se passent. On vous dit oui, bientôt on vous promet, on vous fait des promesses. Mais ces promesses ne se réalisent pas. On vous promet un temps, mais vous voyez qu'après, après cela, ben, on vous dit encore le contraire. Et là, vous comprenez que l'être humain reste l'être humain. Mais je peux te garantir ce soir, c'est que quand Dieu parle, la Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Si vous êtes avec moi, envoyez-nous des cœurs et nous allons comprendre que nous sommes, on est totalement connectés. Oui, shalom, ma fille Frisiane. Shalom, ma grande sœur Josiane. Shalom, shalom, Bernadette. Shalom, shalom, shalom. Oui, merci de vous connecter, merci de partager. Et donc, je disais tantôt, nous voyons que l'être humain restera un humain. Alléluia, parce qu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas le lendemain. Okay? Ils peuvent faire des promesses parce qu'ils ont la bonne volonté. Mais le lendemain, ils ne connaissent pas. Et seul Dieu connaît notre lendemain. Là n'est pas le sujet de ce soir. Mais c'était juste une parenthèse. Une parenthèse, voilà. Ouais. Une parenthèse pour vous faire un petit coucou et de vous dire que l'heure est grave. Nous devons amasser, nous devons nous remplir nos carquois, hein, avec nos carquois, avec les flèches. Parce que ce sera ces flèches-là que nous allons envoyer dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Donc, connectez-vous, n'ayez pas peur, bombardez. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Yes. Cette émission est conçue pour vous. Yes. Et c'est pour vous que nous sommes là. Vous vous imaginez, c'est pour vous que nous sommes là ce soir. C'est pour vous que nous avons effectué le déplacement. Amen. C'est pour vous que nous avons abordé ce sujet. Et nous voulons vivement que vous soyez une source de bénédiction. Ne gardez pas ce message simplement pour vous. Partagez-le autour de vous. Il se peut qu'au travers de ce message, un couple soit béni. Il se peut qu'au travers de ce message, une famille soit restaurée et le Seigneur veut faire de toi une amen. Bénédiction. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, hein, partageant cette vidéo autour amen. De nous, diffusant cette vidéo massivement. Alors, avant de commencer, nous allons élever nos cœurs ce soir. Nous allons prier pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons consacrer ces moments à Dieu. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu de prendre contrôle, de conduire ces temps que nous allons parler, aborder ensemble ce soir. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, de là où vous êtes, nous allons incliner nos cœurs dans la prière. Nous allons incliner nos cœurs et nous allons faire monter vers le Seigneur une prière pour remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Alléluia, notre Dieu, nous te remercions, nous te bénissons pour ta présence. Nous te remercions parce que tu nous donnes ce soir, Seigneur, à nous tenir devant toi. Tu nous donnes ce soir, Seigneur,
Seigneur, à être, Seigneur, sur ce plateau pour annoncer encore ta parole. C'est pour nous une joie, car il t'a plu, Seigneur, de nous choisir. Il t'a plu, Seigneur, de porter tes regards, Seigneur, sur nous, en nous choisissant comme étant des instruments que tu vas utiliser ce soir pour parler à ce peuple. Merci, Seigneur, pour ces instants. Merci, Seigneur, pour ta présence. Nous te remercions, nous t'exaltons, nous te glorifions, nous te célébrons. Nous voulons, Seigneur, que tu prennes contrôle de cette émission. Nous prions que ton esprit, Seigneur, nous conduise. Nous prions que ton esprit guide toutes choses. Alléluia, sois exalté. Seigneur, viens consoler un cœur brisé ce soir. Seigneur, viens restaurer un cœur brisé ce soir. La Bible déclare que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, merci parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer ce soir pour la vie d'une personne, mais je sens qu'il y aura une visitation ce soir. Alors toi qui es connecté ce soir, reste, que ton esprit reste éveillé. Alléluia. Que ton esprit reste éveillé. Parce qu'à travers nos voix, le Seigneur va te parler. Ce que tu n'as pas compris depuis un certain temps, ce que tu traverses, ces difficultés que tu traverses depuis un certain temps et que tu n'arrives pas à comprendre ce qui t'arrive, à travers la parole de Dieu, le Seigneur va faire tomber les écailles ce soir. Est-ce que quelqu'un peut écrire Amen avec Alléluia, moi? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer avec moi? Oui, tu peux acclamer. Alléluia. Oui, que Alléluia. Le Seigneur soit béni. Nous saluons tous ceux qui sont connectés à notre sœur Regina Prosperity. Si la régie peut nous faire défiler le nombre des personnes qui sont connectées, nous voulons les saluer en direct. Nous voulons bénir le Seigneur pour leur présence. Nous saluons Maman Cato, le frère Florence. Hey. Soyez bénis de là où vous êtes. Maman Lydie Maradas Nado, sois richement béni depuis ta position. Que le Seigneur te fortifie. Soyez bénis, nos bien-aimés, vous tous qui êtes. Sois bénie, ma fille. Voilà, soyez bénis. La sœur Josiane, soyez bénie, Vincenti, soyez bénie, que Dieu vous bénisse ce soir. Alléluia. Oh, la servante de Dieu, happy birthday. La servante de Dieu, Vivine. Ah, pasteur Rebecca, soyez bénie. Sois bénie la abondamment. Jessica, happy soyez birthday. Oui, c'est ton jour vraiment. Que le Seigneur te bénisse abondamment, servante de Dieu. Tu es une bénédiction pour le corps de Christ. Ah, la servante de Dieu. Ah, ma momie, je l'appelle ma momie. Pasteur Rebecca, nous t'aimons très 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 fort. Soyez bénis, servante de Dieu. Que Dieu vous bénisse et nous continuons ce sujet que nous avons abordé depuis la semaine passée, la solitude dans les couples. Et un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas connectés, chérie, nous avons dit que l'une des principales raisons pour laquelle le Seigneur a institué le mariage, c'est pour pallier au problème de la solitude. Car Dieu a dit dans le jardin, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Selon le cœur de Dieu, selon le désir de Dieu, selon la volonté de Dieu, Dieu ne veut pas, Dieu ne souhaite pas que l'homme soit seul. Malheureusement, depuis toujours et de nos jours, même étant dans le mariage, il y a des hommes et des femmes qui sont mariés, ils sont dans le couple, mais ils vivent la solitude. Et pour pallier ce problème, d'autres vont aller chercher un refuge dans l'alcool, d'autres vont aller chercher le refuge dans l'infidélité, en allant avec un autre homme ou avec une autre femme, d'autres vont aller se réfugier dans le sexe, dans la drogue, dans toutes ces choses, chers amis, partageant cette vidéo. Alors, l'homme dans la pensée de Dieu n'a pas été créé pour vivre seul. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ce soir? L'homme dans la pensée de Dieu n'a pas été créé pour vivre seul. Et nous avons défini la solitude comme étant une situation, n'est-ce pas, d'une personne seule. Pendant un temps, ça peut être momentané ou ça peut être durable. Il y a des solitudes pour un temps où le Seigneur peut permettre que nous soyons seuls. Il y a certaines solitudes que le Seigneur peut permettre pour nous façonner, comme le psalmiste qui s'est retrouvé seul, qui dit « Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort. » Alors le Seigneur a permis qu'il soit seul, David, à un moment donné, quand il était à la fuite devant Saül, le Seigneur a permis qu'il se retrouve seul face à sa destinée pour faire de lui le futur roi d'Israël. Donc il y a certaines solitudes que le Seigneur peut permettre à un certain moment de notre vie pour nous façonner, pour nous préparer
à accomplir des grandes choses. D'ailleurs, moi, il fut un temps de ma vie où le Seigneur a permis que je sois seul. Quand j'étais étudiant à Brest, je me rappelle, j'étais tout seul dans ma chambre. Quand je rentrais de la fac, j'étais seul. Et ça a été l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Et je peux vous dire une chose ce soir, que c'est aussi l'un des moments où le Seigneur m'a beaucoup parlé, où Dieu m'a beaucoup inspiré. Donc, il y a certaines solitudes que le Seigneur peut permettre. Eh oui. Peut permettre pour nous parler. Il y a certains moments ou certaines époques ou certains, je dirais, certains temps de notre vie où le Seigneur peut permettre de nous mettre à part. Voilà, de nous mettre à part pour nous parler. Exactement. Alors, nous ne parlons pas de cette solitude. Non. Nous parlons de la solitude dans le mariage, dans le couple. Et c'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. La dernière fois, je disais que lorsqu'on est on sert le Seigneur, on a une relation avec le Seigneur, il arrive des temps où Dieu nous demande de nous mettre à part parce qu'il veut nous parler. Mais ça, c'est différent. C'est vraiment différent. C'est vraiment on ne peut différent. Pas le comparer à une solitude. Non. Ouais. Vivre dans un couple et de se dire non, je veux mon temps, il me faut me mettre à part, c'est-à-dire continuellement, tu veux rester dans la solitude malgré que tu es dans une vie de couple, là il y a un problème, il y a vraiment un souci. Et c'est de ça qu'il s'agit ce soir. Nous allons parler de la solitude dans le couple, la solitude et ce que la solitude peut engendrer, dans un couple. Oui. Alors nous avons dit qu'il y a des solitudes momentanées, c'est-à-dire pendant un temps. Le célibat peut être un moment de solitude d'ailleurs. Exactement. On vous l'a dit la semaine passée que le célibat est... Le célibat est une bénédiction. Alors, vous allez dire, mais comment ça? Oui, le célibat est une bénédiction que le Seigneur vous permet d'ailleurs d'accomplir certaines choses. Excuse-moi, je sais que mes enfants sont en train de me bouder, d'autres sont en train de me chipper parce que ils n'acceptent pas ce mot que non, je dis. On ne comprend pas. Maman Inès dit que le célibat est une bénédiction. Non, mais on ne comprend pas. Oui, chérie. On est célibataire, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. C'est quand vous allez rentrer dans la chose. Que vous allez les réaliser. Personnes qui sont là, vous pouvez confirmer pour moi. Si tu es marié, si tu es en couple et que tu comprends ce que je suis en train de dire, tu peux valider avec moi. Comme je vous ai dit au début, c'est l'échange qu'on est en train de faire. Ce soir, on va vraiment échanger ensemble. On veut vraiment sentir que vous êtes avec nous. Alors, c'est quand on est dans la chose, comme on dit, dans le mariage, il y en a qui veulent sortir et puis il y en a qui veulent rentrer. Oui, il y en a qui veulent comme ça, fuir, il y en a qui veulent partir à tout moment. Mais on se permet de le dire aujourd'hui parce qu'on s'est rendu compte que c'est dans le célibat que le mariage, que tout se prépare. Ouais. C'est dans le célibat que les fondations sont posées. Alors, si on rate notre célibat, qui est une bénédiction, on ne réussira pas forcément dans le mariage. En fait, j'ai envie de dire que les grands combats se préparent seuls. Yes! Ah, j'aime ça, chérie. Les plus grands combats et les grandes victoires s'acquièrent seuls. Yes! Quand je dis seul, c'est dans le silence. Exactement. La Bible dit que c'est dans le silence et le calme que proviennent votre force. Donc, nous ne sommes pas en train de nous contredire. Shalom, vous homme comprenez? De Dieu. Voilà. Ah, merci. La pasteur Rebecca dit exactement, on peut être en couple, mais se sentir seul. Voilà. Ah, merci. Donc, c'est vraiment important. Shalom, homme de Dieu, Dokoro. Sois richement béni. Sois richement béni, notre sœur Bernadette. Oui. Soyez béni. Alors, nous parlons ici de la solitude. Donc, déjà une petite parenthèse pour les célibataires. Oui. Vous qui n'êtes pas mariés, ne soyez pas frustrés. Non. Ne dites pas oui, je suis seul. Pourquoi je me retrouve seul? Pourquoi? Non. Les plus grands combats ou les plus grandes victoires s'obtiennent généralement seuls. Exactement. C'est dans le silence et le calme que provient notre force, a dit le Seigneur. Donc, mais chérie, en parlant de ça, lorsqu'on voit la vie de Christ, ouais. La Bible déclare que lorsque Jésus était pleinement homme, il était entouré des disciples. Il était entouré de la foule. Quand il se déplaçait, il y avait la foule qui le suivait. Mais lorsque l'épreuve de la croix était arrivée, lorsque la plus grande épreuve était arrivée, Jésus devait affronter cela. Il devait aller, mais seul. Alléluia. Amen. Et nous voyons l'exemple de Christ. Quand il s'agissait d'aller à la croix, quand son heure était arrivée, mais il devait
affronter cette épreuve seul. Ouais. Et donc, c'est pour confirmer que les grandes épreuves de la vie, les grands combats de la vie, les grandes victoires de la vie, ça se prépare, voilà. Et donc jusque-là, c'est un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là, et nous avons défini la solitude comme étant un état où la personne se retrouve seule, hein, seule, il porte ses fardeaux seul, où il est marié, mais il se bat seul, il porte ses fardeaux seul, il fait tout seul, exactement. Il est le seul à se battre pour la réussite des enfants, il est le seul à penser à tout, il est le seul à se préoccuper à tout. Et je vais vous dire une chose, mes chers bien-aimés, l'une des raisons principale pour lesquelles le Seigneur a institué le mariage, parce que Dieu sait très bien que tu es incomplet, il te manque quelque chose. Alors lorsque Dieu décide de mettre deux personnes ensemble, je vous assure, c'est pour accomplir des grandes choses. Lorsque Dieu décide de mettre deux personnes ensemble, c'est pour que les deux puissent se compléter. Exactement. Malheureusement, étant dans le mariage, étant en couple, on se sent parfois seul. Et nous avons vu dans Genèse chapitre 3, le verset 6, la dernière fois, que Adam n'était pas présent lorsque le serpent s'est présenté à Ève. Yes. Donc, nous ne savons pas exactement ce que Adam était en train de faire. Sûrement, il était en train de contempler la nature, ou il était en train de faire quoi exactement, nous ne savons. Mais ce qui est sûr et certain, Adam n'était pas à côté de Ève lorsque le serpent s'est permis de venir tenter la femme. Et nous avons dit que lorsque l'homme n'est pas là, ou d'ailleurs la femme n'est pas là, eh bien l'absence peut permettre à ce que le serpent puisse s'introduire, n'est-ce pas, dans les couples. Exactement. Alors ce soir, nous allons rentrer dans le vif du sujet pour creuser profondément ce que nous avons déjà abordé. Et pendant que nous étions en train de préparer cette émission, le Seigneur m'a fortement mis à cœur. Oui. Je vous avais dit une chose, que Adam n'était pas à côté lorsque le serpent est venu. Et cela m'amène à avoir cette citation que je vais vous présenter ce soir. La femme devient faible lorsque l'homme n'est pas là. Mais l'homme devient faible en présence de la femme. Come on. Alléluia. Ouh. Je le répète. J'aime ça. Que la femme devient faible lorsque l'homme n'est pas là. Mais l'homme devient faible en présence de la femme. Je m'explique. C'est-à-dire que lorsque le serpent s'est présenté, eh bien, Adam n'était pas là. Donc, je parle, vous mes frères, ne soyez pas absents. Ne soyez pas absents. Parce que votre présence peut créer, votre absence peut créer une faiblesse quelque part. Hein, est-ce que je parle à quelqu'un? Votre absence peut créer une faiblesse. L'absence de Adam a créé la tentation. L'absence de Adam a permis à ce que Ève puisse céder, à ce que Ève puisse tomber dans la tentation. La séduction. Donc, lorsque je parle de l'absence, je ne parle pas de l'absence physique. Vous savez que quelqu'un peut être physiquement présent, mais être absent dans un autre domaine. Okay. Alors, quand on dit soyez présent, je ne suis pas en train de dire que tu dois prendre un tabouret, une chaise, t'asseoir et puis voilà, regarder ta femme nez dans le nez, les yeux. Non, je ne parle pas de cette présence. Il y a des hommes qui peuvent être présents et parfois certaines présences peuvent être embarrassantes. Certaines présences, quand tu es trop présent aussi, ça devient problème. Vous comprenez ce que je dis? Nous parlons des sujets vrais. Oui. Donc, certaines présences peuvent être embarrassantes, mais tu peux être présent, mais sans être présent. Exactement. Voilà, je parle à quelqu'un. Est-ce qu'il y a des aigles ce soir? Yes. Tu peux être présent, mais sans être présent. Oui. Il y a des hommes, le matin, midi, soir, il est présent, au fait. Le matin, il est présent. À midi, il est présent. Le soir, il est présent. Mais et en réalité, avec le télétravail, le système télétravail aujourd'hui, je pense que beaucoup, beaucoup de personnes sont vraiment dans cette situation. Oui. Tu peux être présent et être irresponsable. Yes. C'est-à-dire que tu es là, matin, midi, soir, mais tu n'assumes pas tes responsabilités. Bon, là, chérie, tu parles aux femmes ou aux hommes? Bon, là, je m'attaque aux hommes, n'est-ce pas? Bon, ben, acclamez les sœurs, acclamez. Encourageons. Un homme peut être présent, c'est-à-dire, il ne fait rien, il ne travaille pas, il est assis du matin au soir à la maison, mais c'est un irresponsable. Yes. La présence dont je parle, c'est-à-dire l'absence d'Adam ici, c'est une question d'irresponsabilité. Yes. Donc, un homme peut être présent physiquement à la maison, il est assis,
Mais il est irresponsable. C'est-à-dire qu'il ne fait rien. Il n'assume pas ses responsabilités. Yes. Il n'assume rien. Il ne contribue pas à l'éducation des enfants. Il ne fait aucun effort pour l'avenir de son foyer, de son couple. Il n'a aucune perspective, aucune vision. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent on dit que les femmes, c'est la femme qui porte le pantalon. Vous savez, il y a des termes qu'on utilise, surtout chez nous les Africains. C'est la femme qui porte le pantalon, c'est la femme qui domine, c'est la femme qui est comme si. Non, c'est juste que l'homme est là en présentiel, c'est-à-dire l'homme est là, mais l'homme est irresponsable. En fait, il n'assure pas. Il n'assure pas. Et du coup, la femme est obligée de se lever et de faire quelque chose. Ouais. C'est comme l'histoire de ces forêts, de Moïse. Ouais. Moïse a reçu l'appel. Moïse a eu tout ce qu'il devait avoir de la part de Dieu. Moïse a écouté la voix de Dieu. Mais Moïse n'a pas su faire ce qu'il devait faire. Et quand Séphora a su que la vie de son mari était en danger, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée et c'est elle qui a pris l'initiative d'aller couper le prépuce de l'enfant pour que l'alliance, que le sang coule, pour que Dieu puisse épargner son mari. Donc deux fois, il y a des femmes animées par... C'est pas la mauvaise... C'est pas parce qu'ils veulent dominer, c'est pas parce qu'ils veulent prendre la place de l'homme, mais puisque l'homme... n'assume pas ses responsabilités. Il est irresponsable. La femme ne va pas voir le bateau couler. Et donc, la femme est obligée de prendre, mais ce n'est pas forcément souvent l'image qu'on veut donner. Tu vois, chérie, tout à l'heure, pendant que j'étais en train de préparer cette émission, vraiment, j'ai été vraiment inspiré de dire que la femme devient faible lorsque l'homme n'est pas là. Exactement. C'est-à-dire, quand l'homme n'est pas là, il y a une faiblesse de la femme qui s'installe. Oh yes, j'aime cette phrase. Et la présence de la femme affaiblit l'homme. Alors, les gens vont dire, mais qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? La femme n'est pas là, l'homme... l'homme n'est pas là, la femme est faible, et l'homme est là, l'homme devient faible en présence de la femme. Yes. En fait. Donc, quand la femme est là en présence de l'homme, l'homme devient faible. Je m'explique, c'est très profond ce que je dis. L'absence de Adam a fait en sorte que Ève puisse succomber, c'est-à-dire que Ève est tombée dans la tentation. Comment? Pourquoi? Parce que Adam n'avait pas été là. Okay. Mais écoutez ce qui va se passer. Lorsque Adam était là, Ève lui a dit ce que le serpent l'a conduit à faire. Adam aurait pu dire non. Adam aurait pu dire non. Dieu nous a interdit de manger ce fruit. Yes. Je ne touche pas. Oui. Mais la présence de la femme a affaibli l'homme. C'est-à-dire, mes chères sœurs, mes sœurs, il y a une puissance lorsque une femme s'accorde avec son mari. C'est pour ça que vous ne comprenez toujours pas ce mystère. Ah oui, c'est lui qui domine son mari. C'est lui. Ben, c'est elle qui domine. Oui, c'est elle qui domine. Tout ce que sa femme lui dit, il prend comme... Oui, mais lui, il n'écoute que sa femme. Il n'écoute que tout ce que la femme dit. Vous savez pourquoi? Le mystère de la femme. C'est-à-dire que devant la femme, lorsqu'un homme aime une femme, ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste, cette femme a demandé la tête de Jean-Baptiste. Yes. Au roi, il dit je veux la tête. C'était difficile pour le roi d'aller couper la tête d'un prophète. Amen. Mais puisque c'est la femme qui a demandé, lorsque la femme, lorsque l'homme aime une femme, lorsque la femme gagne le cœur d'un homme, je vous assure, l'homme est capable de tout donner à la femme. Nous avons plusieurs exemples comme plusieurs ça. Exemples dans la Bible. Comme Esther qui a su demander au roi, qui a demandé la doléance au roi de libérer son peuple. Oui. Malgré tout ce que Aman a fait, malgré tous des complots qu'il pouvait avoir. Oui. Mais Esther. Esther s'est présentée. Ça reste un mystère. Dans l'histoire. Aujourd'hui, on parle de 3 jours des jeûnes d'Esther. Parce que on s'est dit non, cette femme, elle est rentrée pendant 3 jours quelque part. Une simple orpheline. Elle est sortie et elle a su changer la décision du roi. Waouh, quel mystère. La présence de la femme affaiblit l'homme.
C'est-à-dire que lorsque la femme trouve une place quelque part dans le cœur de l'homme, alors peut-être, ma sœur, il joue avec toi, il te néglige, il ne te calcule pas parce que tu n'occupes pas encore une place dans son cœur. Amen. Vous savez, c'est simple hein, de savoir, de mesurer le degré, combien l'homme, la place que l'homme occupe hein, dans le cœur de la femme. Tel que vous me voyez le pasteur Syria qui prêche, un homme doux, un homme d'onction, ainsi de suite. Attends, si tu veux me voir, touche seulement à ma femme. Tu vas voir que je vais être quelqu'un que tu ne connais pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque la femme occupe une place dans le cœur de l'homme, l'homme est capable de tout donner pour protéger la femme. Je te dis, hein, c'est la vérité. C'est vrai, chérie. Ah, mais là, c'est vraiment... Là, il vient de libérer... Il n'a jamais dit ça, hein, mais là, il vient vraiment de libérer quelque chose. Là, je me sens en sécurité. Pasteur Rebecca, je bénéficie de l'identité d'une épouse. Hein, tu te rappelles? Je bénéficie de cet honneur-là, d'être une épouse. Donc, c'est normal que mon mari veille sur moi. Amen. De la même manière que si quelqu'un essaie de toucher... Ah bon, Marie, c'est un mystère. C'est pas possible. Donc, devant Adam, devant Ève, Adam aurait pu dire, non, chérie, puisque tu as mangé, je ne mange pas. Au fait, Adam savait que, là, la femme, elle est tombée. Mais puisque Ève occupait une place dans le cœur de Adam, Adam est descendu au même niveau qu'Ève. Pourquoi? C'est pour ça que je dis la présence de la femme rend l'homme faible. C'est un mystère. Vous comprenez ce que je dis? C'est un mystère, la présence de la femme. Donc lorsqu'une femme gagne le cœur de son mari, je ne vois pas ce que l'homme peut refuser à la femme. Et parce que, chérie, c'est pour ça que même dans le monde, le diable utilise beaucoup la femme. Parce que le diable sait ce que Dieu a mis dans la femme. Il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Il a dit, est-ce que tu peux t'opposer à quelqu'un que normalement son nom est écrit femme, mais on l'appelle femme. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a quelque chose. C'est pour ça que le diable fait tout pour ternir notre image, nous les femmes. C'est nous qu'on expose partout sur les pubs. C'est nous, on expose notre nudité. On expose tout pour que, pour ternir notre image. C'est pour ça que toi qui es femme, toi qui nous suis, ce soir, il faut connaître ton identité et garder ton identité et garder la valeur que Dieu t'a donnée parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que lorsque le Seigneur t'a créé femme, le Seigneur a tout mis en toi. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité, tu es capable de faire des grandes choses. Alléluia, la femme a le pouvoir. Et on ne comprend pas, on ne comprend toujours pas en disant, lui il est dominé par son mari, sa femme. C'est sa femme qui le contrôle. Non, sa femme ne le contrôle pas. Non. C'est que devant la femme, l'homme devient faible. Ce n'était pas le sujet, mais c'était tout simplement pour vous dire à quel point ce qui s'est passé dans le jardin. Adam n'était pas là, mais lorsque la femme était en face d'Adam, Adam a accepté de descendre dans le péché parce qu'il aimait la femme. Adam a soutenu la femme parce qu'il aimait la femme. Alors ce soir, nous allons vous donner quelques éléments qui vont vous permettre de détecter les causes de la solitude dans les couples. C'est important. Amen. On peut être présent physiquement, mais être là, être absent. Hein? On peut être présent. Je peux être à côté de ma femme là, mais en esprit, je ne suis pas avec elle. Je peux être, on me voit, oui, mais tu es marié, mais je ne suis pas avec elle. Exactement. La première cause de la solitude dans les mariages, dans les ménages, c'est ce que j'appelle le manque de la communication entre les couples. Lorsque l'homme et la femme, vous savez, on a parlé de communication, et je suis conscient qu'à chaque fois qu'on fait cette émission, on parle toujours de la communication. Vous savez pourquoi? Parce que la communication est très importante. Exactement. Au sein d'un couple. Shalom, quand on parle de la communication, y a beaucoup de choses dans la communication. Vous savez, il y a même des couples qui peuvent être sourds et muets, mais ils s'aiment. La communication n'est pas seulement la parole. Vous comprenez? Il y a des couples qui ils sont des sourds et muets,
Donc, l'homme n'entend pas ou la femme n'entend pas, oui. Il ne parle pas. Mais chérie, même quand ils ne sont pas sourds et muets, ouais. Mais nous, on communique comment? Ouais. Souvent, quand on est avec les gens, qu'est-ce qu'on communique? Rien avec que par mon yeux. Regard, je le regarde, il sait que là, je veux lui dire quelque chose. Ouais. Quand il me regarde, je sais qu'il veut me parler. Ouais. Et c'est comme ça, la communication par, comment on appelle ça? Non-verbal. Non-verbal, oui. Exactement. Donc, le manque de communication dans un couple peut créer une situation de solitude. Lorsque l'homme et la femme, et qu'est-ce que la communication crée? Mm. La communication va vous permettre d'avoir une complicité. Mm. Et c'est cette complicité qui va être l'ennemi numéro un de la solitude. Mm. Parce que l'homme, lorsque l'homme et la femme, les deux vont être complices. Être complice, c'est-à-dire que... il n'y a rien que l'homme puisse cacher à la femme, il n'y a rien que la femme puisse cacher à l'homme. Donc les deux partagent leur intimité, ils partagent leurs faiblesses, ils partagent leurs forces, ils partagent leurs difficultés, ils partagent leurs douleurs, ils partagent leurs émotions. Mais lorsqu'il n'y a pas de communication entre l'homme et la femme, mes chers bien-aimés, il y a déjà une barrière. Exactement. Et nous avons déjà dit sur ce plateau et nous continuons à le dire et à le crier haut et fort. Mmh. Lorsque l'ennemi veut vous attaquer, la première des choses qu'il attaque, c'est votre communication. Lorsque l'homme et la femme n'arrivent plus à se comprendre, parce que la communication conduit à la compréhension. Amen. La communication nous permet de nous comprendre. Lorsque l'homme et la femme n'arrivent plus à se comprendre, eh bien, l'ennemi peut facilement s'insinuer oui. ou s'infiltrer au sein du couple. Donc, la première des choses que l'ennemi va combattre, n'est-ce pas, c'est la communication. La communication, exactement. Lorsque je n'arrive plus à te comprendre et que tu n'arrives plus à me comprendre, eh bien, on est dans un monde de Babel, de confusion. On n'a plus cette faculté Exactement. De se comprendre. Exactement. Pourquoi on ne parle plus le même langage, n'est-ce pas, chérie? Exactement, chérie. Je confirme parce que... et si vous vivez ça, vous qui nous suivez, vraiment, prenez ça au sérieux. Prenez ce que nous sommes en train de dire au sérieux. Je confirme ce que mon mari dit lorsque la communication est attaquée, lorsque on n'arrive plus à se comprendre, lorsque je dis A, lui, il comprend B. Lorsque je dis B, lui, il comprend A. Alors, vous devez prendre un temps pour en parler. Et si physiquement, vous parlez shalom, homme de Dieu. Sois béni, homme de Dieu, le catalyseur. Catalyseur. Des nations, sois béni. Et lorsque cette personne n'arrive pas à dire, c'est-à-dire que la communication, il arrive peu à se comprendre. Il y a un problème. Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème physiquement, c'est-à-dire rien qu'en parlant ensemble, mais on sent tout de suite le feu, alors laissez tomber et prenez un temps dans la prière. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Si vous pouvez même noter, prenez un temps dans la prière. Parce que le diable vient souvent dresser des barrières, des murs, je pourrais dire, entre vous pour empêcher votre communication. Là, je parle du domaine spirituel. Lorsque vous n'arrivez plus à faire un, lorsque vous n'arrivez plus à comprendre vos intentions, à comprendre vos sentiments, et bien comprenez qu'il y a quelque chose dans le surnaturel, dans le spirituel qui est en train de se préparer. Alléluia. Tout ce que le diable va faire, c'est pour vous emmener à vous déchirer. Lorsqu'il n'y a plus de communication, je dirais que la vie devient très 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 compliquée dans ces temps-là. Alléluia, même pour l'éducation des enfants, le papa va se lever pour dire oui, la maman va se lever pour dire non, ainsi de suite, et les enfants vont se retrouver perdus entre les deux parents. C'est pour ça qu'il est important de communiquer. Mais lorsque vous essayez et que vous voyez que ça ne passe pas, prenez un temps dans la prière. Demandez au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment je dois changer? Parce qu'il y a différentes manières de faire. Alléluia. Donc vraiment, faites en sorte que la communication soit au centre de votre relation. Imaginez-vous une chose, Dieu qui est souverain au ciel, qui a créé les cieux, la terre, qui a créé l'univers entier. C'est par la communication que nous arrivions à
à nous adresser à Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer que d'où l'importance de la prière. La prière nous permet d'être en contact, d'être en relation avec Dieu. Exactement. Dieu est souverain. Mm-hmm. Dieu est au-dessus de tout. Il sait tout, il voit tout. Mm-hmm. Rien n'est caché devant lui. Mm-hmm. Au temps normal, le Seigneur pourrait deviner ce à quoi on pense. Mm-hmm. Le Seigneur pourrait deviner que mon fils a besoin d'une voiture, mm-hmm. que mon fils a besoin d'une guérison. Mais pourquoi le Seigneur souhaite que nous communiquions avec lui? Amen. C'est pour développer une intimité avec lui. Donc, ce facteur est crucial dans un couple. Lorsque votre communication est attaquée, lorsque vous n'arrivez plus à vous faire comprendre, lorsque vous n'arrivez plus à échanger, dites-vous que vous êtes en danger. C'est ainsi que je mesure le baromètre de mon amour dans mon couple, même avec ma femme. Lorsque j'arrive plus à faire passer un message simplement, lorsque pour un rien je sens qu'il y a quelque chose, là je sens qu'il y a vraiment un problème, il faut vraiment le traiter. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, mon frère Philippe de Bonindi, qui dit oui. C'est vrai qu'il n'est pas normal qu'un homme soit seul. Il est normal aussi de choisir son partenaire. Hein, je suis d'accord avec toi, mon frère. Il faut. Wow. il est aussi normal de choisir son partenaire. Pourquoi? Vous avez remarqué dans les familles, aucun homme, aucune femme, mm-hmm. un partenaire, ou alors c'est tellement long. C'est long. Donc, je suis d'accord avec toi sur le principe du choix. Le principe du choix, c'est-à-dire que Joyce Meyer qui dit, et j'aime beaucoup répéter cette citation, mm-hmm. en disant qu'il y a des personnes qui réussissent dans la vie, pas parce qu'ils ont fait de bons choix. Exactement. Donc, le choix du partenaire, il y a beaucoup de personnes qui souffrent aujourd'hui dans leur mariage simplement parce qu'ils ont fait le mauvais choix. C'est pas question du diable. Ils vont commencer à implorer le Saint-Esprit. Ils vont commencer à chasser les démons. Ils vont commencer à prier en langue. L'imposition des pieds. Avec accompagné d'onction d'huile, avec imposition de pieds. Donc voyez-vous, enfin, ils ont simplement fait le mauvais choix. Quand tu fais le mauvais choix, il faut être responsable. Pourquoi je dis être responsable? Amen. En fait, il faut assumer. Quand tu fais un mauvais choix, il faut que tu assumes tes choix. Tu as fait un choix qui n'est pas bien. Mm-hmm. Tu l'assumes. Comprenez avec moi. Abraham, il a fait un mauvais choix d'écouter la voix de Sarah. Voilà, la descendance d'Ishmaël. Donc, quelque part, le Seigneur a permis cela. Mais quelque part, on assume. Exactement. Donc, la question du choix, je suis totalement et parfaitement d'accord avec toi. Et ce que je tiens à insister ici, c'est que la communication, c'est vraiment un vecteur qui va vous permettre, n'est-ce pas, de gagner en maturité et d'accomplir beaucoup de choses dans votre couple. La deuxième chose, le deuxième facteur qui peut créer la solitude dans le couple, c'est l'absence permanente de l'autre. L'absence permanente. Lorsque je parle de l'absence, je l'avais dit d'ailleurs tout à l'heure ici, quelqu'un peut être, c'est-à-dire physiquement, vous pouvez me voir assis à côté de ma femme, excusez-moi, mais psychologiquement, spirituellement, émotionnellement, sentimentalement, je ne suis pas présent. Il y a des hommes qui peuvent être présents sur le plan physique, mais ils ne sont pas présents financièrement, par exemple. Il n'assume rien. Avance. La fin du mois, il ne paye pas les factures. Il ne paye pas l'eau. Il ne paye pas. Il n'assume pas. Bon. Il est présent physiquement, mais financièrement, il n'est pas présent. Mm-hmm. Financièrement, chérie, tu peux me donner ta carte bleue là. Je vais sortir un peu là avec les amis. Je vais aller faire un tour. Tu peux me donner le code de ta carte bleue. Financièrement, il n'est pas présent, l'homme. Donc, chérie, je tiens à dire que c'est pas mauvais. C'est pas mauvais qu'on puisse donner notre carte bleue à nos hommes. C'est juste une parenthèse. Oui, c'est juste une parenthèse. Ouais. Comprenez ce qu'il veut dire. Ouais. Moi, je comprends dans quel sens. Mais quand c'est trop, quand c'est vraiment, ça devient du profit. Tu vois, c'est profiter des autres. Ouais. On appelle ça dans le terme de jargon, tu deviens gigolo. Tu profites de l'autre. Ouais. Et souvent, ils profitent de l'autre quand il y a des besoins. Il se présente, il est là. Ouais. Mais quand il arrive à obtenir ce qu'il veut, il n'est plus là.
Et ça, vraiment, c'est ce genre d'attitude. Sortez de là. Si tu es connecté et que tu sais que tu as l'habitude de le faire, sortez de là. Je vais vous relater une petite anecdote qui va peut-être vous faire rire. Est-ce que la régie peut nous mettre les commentaires, s'il vous plaît? Oui. Je vois des gens qui réagissent. Oui. Il y a ma soeur. Alors que la femme qui doit aider l'homme et non l'homme qui doit aider. Que le Seigneur vous bénisse. Au fait, une petite anecdote. Hein, un jour, j'étais chez moi et les enfants faisaient. Enfin, c'était pendant l'anniversaire de ma fille aînée. Et puis, y avait tellement du bruit chez moi et le voisinage a appelé les flics, les policiers. C'est pas dans notre habitude, hein. Mmh. D'ailleurs c'est la première fois que les flics ils débarquent chez nous pour des raisons de bruit. Mmh. Parce que bon, on avait reçu du monde, de la famille, et puis il y avait de la famille, il y avait du bruit ce jour. Et quand les policiers ont sonné, je les ai guettés et j'ai vu que c'était les flics. Or, bien avant l'arrivée des policiers, je disais non aux enfants, je disais non à ma femme, faites moins de bruit, n'inquiétez pas les voisins dorment, il fait tard, ne dérangez personne, ainsi de suite. Je leur ai dit, je les ai prévenus, mais les flics sont arrivés. Quelque chose me dit, ne sors pas, va rester te cacher dans la chambre. J'ai dit à ma femme, écoute, je t'avais dit que de ne pas faire du bruit. Écoute, les flics sont arrivés, tu sors régler ça avec eux. Donc, je lui ai dit, écoute, je t'avais dit. Et j'ai dit à ma fille, je vous l'avais dit, les flics sont là, allez régler. Et une voix me dit, mais tu es responsable. Là, ils sortent les dossiers, là, vous comprenez? Ouais, là vous rentrez dans les coulisses. Hein. Et j'entends une voix me dit, sois responsable. Vous savez, un homme qui est responsable, un homme normalement est responsable. Un homme qui est responsable, il doit assumer. Mm. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai fait du bruit. Ce n'est pas moi qui ai indisposé les voisins. Mm-hmm. Ce n'est pas moi qui ai appelé la police. Je leur ai dit, ne faites pas du bruit. Maintenant que les policiers sont arrivés, j'ai dit à madame, écoute, tu vas régler ça avec eux. Donc, je rentre dans la chambre, je ferme la porte et j'entends une voix me dire, oh, tu es responsable, c'est toi le responsable de cette maison. Et donc là, je prends mon courage, je souffle. Mais tu as quand même pris ton temps. J'ouvre la porte. Il a pris tout son temps. Hein. J'ouvre la porte et là, je parle au policier. Je défends ma famille, je dis, mais attends, vous voyez pas que on est un week-end quand même, hein? On est un week-end et je défends ma famille. Je dis, ben, c'est l'anniversaire de la petite. Et puis la petite là qui regardait les policiers, vous êtes venu arrêter mon père? Et le policier dit non, on n'est pas venu arrêter ton père, mais si on revient encore pour la deuxième fois, ça ne va pas se faire. Voyez-vous? Bref, j'ai défendu ma famille devant la police. Mm-hmm. Et même si j'avais un compte à régler avec ma famille, j'ai réglé ce compte après. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a des hommes qui ne sont responsables de rien. Yes. Il se passe quelque chose, il n'est pas là. On chasse l'enfant à l'école. L'enfant se bat. Il y a quelque chose. Au lieu de te lever comme un homme, d'aller en tant que responsable, vraiment. Tu n'as jamais été là. Participer à quoi que ce soit. Faire le devoir des enfants, ce n'est pas ton problème. Un jour, j'ai demandé à un homme, je dis, mais est-ce que tu aides ton fils quand même à faire ses devoirs? J'étais choqué, il dit, mais moi à l'époque, qui c'est qui m'aidait à faire mes devoirs? J'ai dit, hein? Il dit, mais moi, qui c'est qui faisait mes devoirs, pasteur? Moi à l'époque, attends, un petit de 7 ans? Oui, c'est il dit, moi à l'époque, qui c'est qui m'aidait à faire mes devoirs? C'est moi, je me suis débrouillé. Attends, le petit a 7 ans? Oui. Et tu dis que même si personne t'a aidé à faire des devoirs, vous voyez comment certains hommes sont irresponsables. Exactement. Mais c'est pas certain. C'est de cette absence dont je parle. C'est de cette absence dont je parle. Donc, il est là, quand il s'agit de manger sa semoule, il regarde sa montre. Oh, on mange pas aujourd'hui? Tu vois pas qu'il est 21h? Il prend son pied, il met sur la table. Le Django. Quand il s'agit de manger la semoule, mais attends, le reste, il va aller, il dit, mais vous avez gardé le reste pourquoi? C'est vrai. J'ai faim. Enfin, quand il s'agit de manger la semoule, quand il s'agit d'aller faire du n'importe quoi, il le fait. Oui, mais il a l'autorité quand il s'agit. Responsabilité. Il choisit là où il doit être l'autorité. Il doit exercer son autorité en fait. Et ce jour, les policiers étaient venus, j'aurais pu fuir. Ah, tu te rappelles de ça? J'aurais pu me cacher dans la chambre. J'aurais pu dire à ma femme, hé, je t'avais dit non, va régler ça. Mais je me suis comporté en homme. Je me suis comporté en homme. Yes, partageons les amis. Et j'ai dit, oh, cœurs, stop. Partageons. C'est pas moi qui ai fait du bruit. Mm-hmm. C'est pas moi qui ai indisposé les voisins. Je dis, oh,
Monsieur, j'ai protégé ma famille. C'est de cette présence dont je parle. Yes. Donc, l'absence permanente de l'autre. Lorsque l'homme n'est pas là, d'ailleurs, quand je dis l'homme avec grand H, hein. Oui. Il y a des femmes aussi démissionnaires. Elles laissent ses enfants. Oui, parlons un peu aux femmes, parce qu'il y a moi, j'en connais, des hommes. Hein. Elle est tout le temps dans les nganda, dans des. Tout le temps avec les copines, tout le temps dans les. Les tu fais un enfant, ton enfant a à peine 6 mois, mm-hmm. tu trimbales l'enfant dans les nganda, et puis tu mets un peu de gouttes de bière. Bon, chérie, je me dis, Seigneur, c'est pas possible. Là, je sors d'un dossier confidentiel. Bon, bref. Cher bien-aimé. Oui, chérie, parlons un peu aux femmes. C'est trop pour les hommes aujourd'hui. Oui, mais bon, c'est normal. Mais que les hommes, je suis avec vous aujourd'hui. Ouais. Je suis avec vous. Vraiment, il y a des femmes démissionnaires aussi. Mm. Des femmes qui n'assurent pas. Des femmes qui n'assument pas. Tu ne sais pas c'est quoi payer. Tu ne sais pas à quel moment tu reçois les factures de téléphone. Tu ne sais pas à quel moment tu reçois les factures de EDF. Tu ne sais pas où est-ce que ton mari a mis les factures. Tu ne sais pas dans quel dossier il a mis l'acte de naissance. Il y a des petites choses comme ça où souvent nous les femmes, nous ne prenons pas trop vraiment en compte. Quand, bon, ça c'est ici en France, hein, je vous dis, quand souvent les commerciaux ils viennent sonner. Ils disent que madame... Ça m'est arrivé déjà, je vous parle, ça m'est arrivé. Mais depuis ce jour, j'ai compris que je dois... Madame, vous êtes chez quel opérateur? Chez EDF ou bien chez... vous savez? Et j'étais là devant et je ne savais pas au fait là où on était. Et puis j'ai dit non, vous savez, c'est mon mari qui s'occupe de tout ça. Pour moi, c'était une excuse, c'est vite fait. C'est mon mari qui s'occupe de tout ça. Mais après, quand j'ai fermé la porte... Je leur ai dit, revenez quand mon mari sera là. Mais quand j'ai fermé la porte, et je me suis dit, mais Inès, tu es normale. Tu es normale de ne pas savoir. Et depuis ce jour-là, je sais là où se trouvent les tout ce qu'il y a à faire. Parce qu'un jour, il peut ne pas être là. Vous voyez? Donc nous, les femmes aussi, c'est pas seulement la cuisine, assurer au lit, s'occuper des enfants. Non, il y a des choses de la vie de tous les jours que nous devons savoir, que nous devons apprendre. Et ça, nous devons aussi avoir notre... répondre à notre responsabilité. Chérie, je vais juste ajouter, quand on parle de l'absence, je parle aussi des hommes pigeons voyageurs. Ok, tout à l'heure, mon mari a parlé que la personne peut être là physiquement, mais son esprit est ailleurs. Mais moi, je parle que la personne n'est même pas là physiquement. C'est-à-dire que toi... C'est dehors où tu te sens bien. Quand tu viens à la maison, c'est juste pour prendre tes affaires. C'est juste pour prendre ce qu'il faut. Mais on ne te voit jamais. Les enfants ne te voient jamais. Et encore quand tu sors, tu rentres tardivement. Quand tout le monde est au lit. Tu n'as jamais lu une histoire à ton enfant. Tu ne les as jamais accompagnés au lit. Tu n'as jamais pris un temps pour prier avec eux. Why? Ou bien on est parent, ou bien on n'est pas. Tu n'as jamais été là pour savoir si ta femme a mal à la tête et qu'est-ce qu'elle prend. Voilà, il y a des petites choses dans la vie qu'il faut savoir. Je vous assure, aujourd'hui, je reste chez moi et j'appelle mon mari, je lui dis, chérie, j'ai besoin de ça. Il saura exactement ce que je veux et de quelle marque il s'agit. Il va me ramener sans que je me déplace. Mais il y a des hommes. Vraiment, c'est triste. C'est triste. Quand la femme ne fait pas, l'homme ne fait pas. Moi, il m'est arrivé de voir des femmes ici en France. Vous savez que nous sommes dans un pays qui n'est pas facile. Mais de voir des femmes qui vont faire des courses. Oh my God. Qui transportent des courses, mais seules. Tu vois la personne, ça tombe à gauche, la personne ramasse. Ça, on les voit souvent dans les supermarchés. Et on se demande. Et la femme porte une bague, hein, l'alliance, hein. On se demande où est le mari. Ça peut arriver une fois, ça peut arriver deux fois, mais pas tout le temps. Hein, chérie? Voilà, donc c'est important d'être présent. Gardons cela, gardons ceci. L'absence de Adam a affaibli Ève. Nous devons alors, faire attention. Nous parlons, je le dis encore et j'insiste, c'est pas seulement une absence physique. Vous savez, moi je peux ne pas être là. Ceux qui me connaissent, ceux qui me côtoient, ils connaissent comment je fonctionne. Mais... Je peux ne pas être là, mais j'assume mes responsabilités. Mm-hmm. Il m'arrive
parfois d'effectuer des déplacements sur le plan professionnel, mais mon absence ne se fait pas sentir. Je dis bien mon absence physique. C'est-à-dire, avant de partir, je prends des précautions. Même étant à distance, je pilote tout, je gère tout. Voyez-vous ? Donc, on peut être absent physiquement, mais être présent, on assume ses responsabilités. Exactement. Vous demanderez à ma femme, elle est mieux placée pour vous le dire. Je confirme. Il m'arrive de me déplacer, de ne pas être là. Je prends des dispositions. Je sais qu'à telle heure, on doit faire telle chose. On doit récupérer les enfants. Je sais qu'à telle heure, telle chose doit être faite. Je suis en contact avec l'école. Je suis en contact avec l'église. Je gère tout et je sais tout, même étant en déplacement. Donc, il y en a même physiquement, il n'est pas là. C'est-à-dire, physiquement, il n'assure pas. Il peut être là, mais il n'assure pas dans certains domaines. Mais son absence physique offre. Les gens, en fait, son absence ne se fait même pas sentir ou savoir. Donc, ce soir, comprenez que l'absence d'un partenaire dans un couple. Donc, toi, tu es marié. Je m'adresse aussi aux femmes. Ta place est dans ton foyer, à côté de ton mari, pour aider ton mari à veiller sur vos enfants, accompagner vos enfants. Exactement. Mais tu n'es pas là. Tout le temps, tu traînes avec les amis dehors. Tu te balades de gauche à droite. Tu n'assumes pas tes responsabilités en tant que femme. Donc, ton absence peut créer une forme de solitude. Ton absence peut engendrer une forme de solitude dans le cœur de ton mari. Ton absence peut permettre à ce que d'autres personnes puissent venir aussi poser leur candidature. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Il y a certains métiers qui sont très dangereux. Il y a certaines absences, sur le plan professionnel, ceux qui sont tout le temps en train de voyager. Émission. Bon, moi personnellement, je dis moi, pas selon la Bible, mais je parle de moi. Moi, j'ai fait ce choix d'être présent. Au jour d'aujourd'hui, j'ai des opportunités professionnelles de partir à l'étranger, de partir dans mon pays d'origine, de partir dans un autre pays du monde. Ma femme est là, elle peut vous le dire. J'ai eu des propositions de très bons salaires pour partir ailleurs. Mais je devais à un moment donné faire un choix. Faire un choix de partir pendant 3-4 ans. Et puis ensuite faire venir ma femme. Bon, il y en a qui font ce choix. Il y en a qui... Voilà, je ne dis pas que c'est forcément mauvais. Mais selon moi, je n'ai pas voulu prendre ce risque. Parce que tout ce que je cherche aujourd'hui, ce pourquoi je me bats aujourd'hui, c'est pour ma famille. Et je ne trouverai aucun bonheur ailleurs, loin de ma famille. Même si je devais gagner beaucoup d'argent, même si je devais gagner des milliers d'euros, et me retrouver seul, loin de ma femme et de mes enfants, je ne prendrai pas de tels risques. Alors, il y a des hommes, pour une raison X ou Y, sont appelés peut-être à partir à l'étranger ou à s'éloigner de leur famille. Je comprends parfaitement. Si c'est pour un temps, si c'est pour une cause, merci Seigneur. Oui. Mais il y a des absences interminables. Pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans. Attends, pourquoi vous vous êtes mariés? Je me pose juste une question. Pourquoi vous vous êtes mariés? C'est clair. S'il y a une vision derrière, il n'y a pas de souci. S'il y a un projet derrière, il n'y a pas de souci. Je peux encore comprendre. Vous imaginez, je laisse ma femme et mes enfants, je vais aujourd'hui m'installer en Centrafrique et je travaille là-bas. Et je viens voir ma femme de temps en temps. Une fois par an. Je viens, voilà, je passe un mois avec elle et je repars. Mais pendant le froid de l'hiver, elle va faire comment? Quand il va pleuvoir en Centrafrique et que ça va être chaud là-bas, comment je vais faire? Bon, non, là... parlons vrai. C'est pas question de parler en langue. Que les enfants se déconnectent. Quand il va faire moins 40 ici en France, elle va faire comment? Après, on va aller dire, oh,
elle est tentée au Saint-Esprit. Chérie, il y a le chauffage. Il y a le chauffage. Non, quel chauffage. Tu peux même utiliser pompe à chaleur. Tu peux même utiliser le chauffage. Non, mais c'est pas possible. Que les enfants se déconnectent. Non, moi, je vais aller m'installer en Centrafrique. Je vais dire que bon, c'est pour le travail. Je vais m'installer là-bas. J'ai déjà eu des opportunités, je vous dis. Hein. J'ai fait des études. J'ai eu des opportunités pour partir dans mon pays travailler. J'ai eu des opportunités pour me rendre au Canada, aux États-Unis pendant un temps pour travailler. Je peux le faire. J'ai la capacité de le faire. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Je me pose juste une question. Juste une question. C'est quoi la vision? La couette, oui, la couette. Oh, ma soeur, toi tu parles de couette. Hein. Bon, quelle est la vision? Si c'est pour un temps, yes. Je dis bien, si c'est pour un temps, merci Seigneur. Oui, le Père. Oui, si c'est pour Père, un Père. Temps, si c'est pour un projet, on dit, bon voilà chérie, je dois partir pendant 3 ans. Yes. Et pendant les 3 ans, on doit se battre. Hein? Le frère Marie dit, la couette ne tient pas. Mais oui, c'est vrai. Alors, je connais des couples, hein. L'homme vient s'installer en Europe, le temps de se chercher, le temps de se battre pour avoir son titre de séjour, ça je comprends. C'est pour, parce que c'est pour une bonne cause. Déjà, il faut se battre pour avoir un titre de séjour, il faut se battre pour travailler, avoir un logement. Ça, il y a un projet derrière. Il y a un projet derrière. Je comprends parfaitement. C'est quoi la vision? Et quand on le fait, il faut se rassurer qu'on est suffisamment fort. Voilà. Un jour, j'ai posé la question à un frère. Je dis, frère, c'est quoi la vision? Il me dit, oui, ben pour moi, je m'en vais m'installer dans quel pays? Oui, je ne dis pas que c'est faux. Mais frère, quelle est la vision derrière? Il faut qu'il y ait une vision derrière. Si tu t'en vas rester là-bas pendant 20 ans, moi j'en connais, pendant 20 ans, pendant 30 ans, quelle est la vision? Non, on ne tombe pas le diable. Quand le serpent était venu dire à Jésus, jette-toi, Jésus avait le pouvoir de se jeter. Jésus avait le pouvoir de dire à ce pain, transforme-toi, à cette pierre, transforme-toi en pain. Pourquoi Jésus ne l'a pas fait? Yes. Tu as tellement d'anxiété aujourd'hui, oh, je vais tenir, frère. Si on se retrouve, on ne te retrouve pas sur les trottoirs. Yes. Là, c'est les gels de douche qui vont souffrir dans les toilettes. Tu vas faire des choses horribles. Tu vas faire des choses horribles. Tu vas te torturer pour rien. Alors tu là, vas souiller ton corps. Tu vas te détruire. On sait tous. On n'est pas des immatures. On voit tout et on sait tout. Frère, cette histoire-là, c'est un vrai problème. Oui, alors... C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Le frère de Bozédier est en train de dire, l'amour, la vision, c'est l'amour. Ça se base sur une question de confiance. Bon, derrière la confiance, quelle est la vision? La confiance même n'exclut pas. N'exclut pas. Voilà. Melfi, laisse-moi parler. Hein. Alors, laisse-moi la dire confiance n'exclut pas. La confiance, ok, c'est vrai. Mais nous sommes constitués, nous sommes des humains, constitués avec, nous sommes, quand une personne est normalement constituée, nous pouvons dire que il y a la confiance, il n'y a pas de souci. Mais nous ne devons pas ouvrir une porte. On laisse sa femme 10 ans, on laisse son homme 10 ans, mais on s'attend à quoi? Quelle est la vision? Quelle est la... Ok, la vision c'est l'amour. Mais l'amour ne suffit pas. Je peux confirmer que l'amour ne suffit pas. Dans une relation, l'amour ne suffit pas. Partager. L'amour ne suffit pas. Ça devient plus intéressant. Voilà pourquoi nous avons pris ce sujet, la solitude. Parce qu'il faut, ok, il y a la confiance, mais il y a ce qu'on appelle les pulsions, les désirs charnels, où l'homme a été créé ainsi. L'être humain a été créé ainsi. Et ça, on ne va pas en vouloir à Dieu de nous avoir créé ainsi. Mais lorsqu'on est marié, ok, quand on est célibataire, on peut encore trouver des excuses. Mais lorsqu'on rentre dans une relation, je pense que c'est des choses... Oui, c'est important. C'est important ces sujets aujourd'hui parce que lorsque, enfin, je reviens sur la question de l'absence, hein, donc l'absence, je le dis d'ailleurs, c'est pas seulement une absence physique, mais ça peut être une absence sur plusieurs domaines. Oui. Mais comprenez avec moi, mes chers bien-aimés, que c'est. Oui, c'est pour cela qu'il faut sortir de la chair. Amen, frère. Il faut pas être un chrétien charnel, il faut être un chrétien spirituel. Mais la Bible dit que la chair est faible.
mais l'esprit est disposé. Hein, l'esprit est disposé, notre chair. Oui. Jésus même, quand il recevait les coups, il avait mal. Il avait mal au point où il disait, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Exactement. Donc l'absence, c'est vraiment quelque chose qui risque d'affecter une relation. Quand il y a une vision derrière, je ne dis pas que toutes les absences sont démoniaques. Je mesure bien et je suis un homme suffisamment équilibré. Oui. Je mesure bien mes propos. Je dis, il y a certaines absences qui peuvent être justifiées. Une ouverture. Attendez, je donne juste un exemple. Ma femme s'est retrouvée aux États-Unis pendant 6 mois. Où elle a accouché là-bas. Derrière cette absence, il y avait une vision. Voyez-vous, derrière cette absence, il y avait une vision et c'était un choix. Vous comprenez? Et donc, je savais que son état de santé ne lui permettait pas de revenir. Et donc, elle devait être bloquée là-bas pour l'accouchement. Donc, c'est assumé. Et derrière, c'est compris. Il y a une vision. Mais on ne peut pas aujourd'hui se permettre de dire, ben, voilà, moi, je viens tous les ans. Et puis je m'installe dans tel pays où ma femme s'installe. Mais on sait très bien ce qui se passe. Je vous assure, je suis un homme de Dieu, je sais de quoi je parle. On sait très bien ce qui se passe. La femme qui se retrouve seule ou l'homme qui se retrouve seul, peut-être les hommes ne voient pas, mais seul Dieu le voit. Celui devant qui rien ne peut être caché. Il voit tout, le Seigneur. Il sait tout, le Seigneur. Même si on paraît être les plus spirituels, même si on paraît être les plus saints, mais dans l'intimité, les yeux de Dieu nous voient. Le Seigneur nous voit. On a de ceux qui, oui, j'assume, je fais rien, m'en vais vivre en Afrique, où tout le temps tu voyages, tu fais des missions. Mais il y a des hommes de Dieu qui tombent même pendant des missions. Tu t'exposes toi-même. Donc, tu es exposé. Il y en a qui partent jamais. Bizarrement, les missions là, ils peuvent jamais aller avec leur femme. Ouais. Bon, là, il faut que je dénonce. Mettez des cœurs que je dénonce. Toi, tu es serviteur de Dieu. Tes missions là, Dieu t'a dit que tu as épousé la femme pour la laisser garder la maison et que c'est seulement toi qui dois aller. Alors que la place de l'homme ou de la femme se trouve vraiment, tu as été enlevé là. Mais il y a des gens qui se plaisent vraiment à faire leur déplacement. En tout cas, moi, quand je me suis mariée avec mon mari, on s'est entendu sur ces points-là. Je sais que tu es loin de Dieu. Je sais, je connais la paix de Dieu dans ta vie parce que le Seigneur lui-même m'a parlé. Mais chérie, on fait comment? Quelle est ma place? Lorsque j'avais 16 ans et qu'on a prophétisé sur moi que j'allais épouser un homme de Dieu, je suis restée devant le prophète, je lui ai dit, tu mens. Vous savez pourquoi? J'ai refusé la prophétie catégoriquement. Je lui ai dit, non, tu mens. L'homme de Dieu m'a regardé, il a souri. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, non, je ne peux pas épouser un homme de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai été traumatisée par ce que j'ai vu. Comment les femmes des hommes de Dieu souffrent. De ma nation souffrent. Comment ils vivent dans la solitude. Quand tu les vois, tu n'as même pas envie de porter le nom femme d'un homme de Dieu. Tu n'as pas envie d'être appelé maman pasteur. Oui, je dénonce. Parce que c'est quelque chose, j'étais traumatisée. Et le pire, c'est que dans nos églises, les femmes à gauche, les hommes à droite. Waouh! Alors que la Bible me dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Mais sachez, et je vais vous dire au jour d'aujourd'hui, encore dans ma nation, les femmes sont à gauche, les hommes à droite. Vous arrivez, vous quittez la maison. À la maison, vous dormez dans le même lit. À la maison, vous faites tout. Vous partagez tout. Mais lorsque vous arrivez devant l'église, la femme part à gauche, l'homme passe à droite. Soi-disant, le respect des autorités. Oh, je ne suis pas rebelle. Mais je veux dire quelque chose. Nous devons revoir nos manières de faire. Nous devons revoir nos manières de faire. Et je voyais ces femmes, les femmes de serviteurs de Dieu, façon elles étaient. À l'église, c'était difficile que ces femmes relèvent ne serait-ce que leur tête. Tu vois, tu sens le poids.
j'ai dit à l'homme de Dieu, je n'épouserai jamais un homme de Dieu. Je n'épouserai jamais un pasteur. Si c'est pour vivre ce que ces mamans-là sont en train de vivre, si c'est pour vivre, je ne veux pas. Je ne veux même pas de cette prophétie. Alors quand j'ai rencontré mon mari, il fallait qu'on fasse le point. J'ai dit, chérie, quelle est ta vision? Est-ce que ta vision là, c'est comme ce que l'on a vécu? Ou bien c'est comment? Il m'a dit, non. C'est pas comme ça, moi, je vois la vie. Moi, j'ai compris que une famille en bonne santé est une église en bonne santé. Que quelqu'un dit amen. Oh, une famille en bonne santé est une église en bonne santé. Quand les choses ne vont pas à la maison, quand les choses ne vont pas sur le lit, c'est pas dehors qu'ils vont venir annoncer la bonne nouvelle. Une famille en bonne santé est une église en bonne santé. Et j'ai compris que celui-là, il était différent. Je pouvais m'engager. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble. C'est pour vous dire tout simplement que on n'épouse pas quelqu'un pour mettre à gauche et que toi, tu sois à droite. Non, on épouse quelqu'un parce qu'on doit avoir la même vision, on doit regarder dans la même direction et marcher ensemble. Amen. 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 Alors donc, le manque d'intimité, le manque de présence, cela peut entraîner la solitude, peut entraîner le manque d'intimité, ouais, et de contact sexuel. Oui, je connais même des gens qui ont attiré des esprits de nuit parce que, oh my God, ils sont mariés, mais ils sont seuls. Et tu entends le frère ou la sœur te dire que moi, j'ai vu les hommes de nuit, j'ai vu le mari de nuit venir me visiter, j'ai vu la femme de nuit venir me dire, frère, sœur, si tu laisses ta place, si tu n'es pas là, c'est normal que le mari de nuit vienne visiter? Parce que la place est libre. Il faut même pas qu'on... C'est des vérités, c'est des choses que les gens vivent. C'est des choses que les gens ne peuvent pas parler librement. Ils ont des visitations, des esprits. Ok? Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. La solitude peut causer cet état d'esprit. La solitude peut... Je dis que la solitude est une porte. Peut ouvrir une porte. Amen. Alléluia dans la vie d'une personne. Donc, mon frère ou ma soeur, tu dois être à ta place. Ce n'est pas la faute de mari de nous, de femme de nuit. D'ailleurs, si tu as des visitations comme ça, il faut passer par la délivrance. Tu dois prendre l'autorité. Tu peux nous contacter. Notre numéro WhatsApp défile. Vous pouvez nous contacter. Nous allons prier pour vous. Parce que ce n'est pas bon. Parce que à la longue, cela va vous causer des soucis. Et cela même... Oh my God, chérie, j'ai pas envie de rentrer dans la délivrance. Quand le mari de nuit ou la femme de nuit s'installe, votre couple ne sera jamais en paix. Parce que c'est un esprit qui va vous combattre. Parce que c'est un esprit têtu. L'esprit là, je sais de quoi je parle. L'esprit là est têtu. Je vais confirmer ce que tu dis. Yes. Moi, j'ai vu des personnes qui sont mariées. Amen. Des couples qui sont mariés, mais qui vivent dans la masturbation. C'est un couple, ils sont mariés. Mais pourquoi l'homme ou la femme pratique de tels actes? Oui, l'esprit têtu, ma fille. Parce que ça vient suite à une insatisfaction. Yes. Parce que la femme ou l'homme n'est pas satisfait, eh bien, on va essayer de chercher à se satisfaire. Exactement. Par soi-même. Exactement. D'où on va chercher à ouvrir des portes. Vous comprenez? Yes. Et là aussi, il y a une forme de solitude. Yes. Et pourtant, c'est un couple. Il leur arrive d'avoir des relations sexuelles. Mais et pourtant, ils ont des vices. Ils ont des vices. Et ça, c'est un problème qui mérite d'être traité. C'est un sujet qui mérite d'être traité parce que c'est une ouverture, c'est aussi une solitude qui cause cela. Amen. C'est aussi une solitude qui cause de tels actes. Donc, le manque d'intimité et le manque de contact sexuel
cela peut engendrer une forme de solitude. Amen. Vous allez remarquer aussi que tout ce qui est manipulation, mm-hmm. vous savez, il y a certains couples où la femme, ou d'ailleurs l'homme, mm-hmm. les deux sont manipulés, ils sont contrôlés. Yes. Soit par les amis, mm-hmm. soit par la belle famille. Yes. Et cette influence s'installe même dans le couple. Et ce qui va créer une forme d'isolement. Lorsque la femme ou l'homme, on sent cette forme de manipulation, mm-hmm. eh bien, on va chercher à s'isoler, à se renfermer Exactement. Sur soi-même. Oui. Et du moment où on se renferme, cela crée l'isolement, cela crée ce que j'appelle la solitude. Oui, exactement. Les problèmes qui n'ont jamais été réglés, mmh. des problèmes qui n'ont jamais été traités, qui créent, n'est-ce pas, des blessures intérieures. Vous savez, les blessures intérieures sont des problèmes où beaucoup de couples aujourd'hui trimballent, ils souffrent Amen. Des blessures intérieures. Tel ou tel problème mmh. qu'on a rencontré dans sa vie mmh. où on n'a pas pris le temps de le traiter, yes. D'arranger le problème, et cela crée, cela engendre une forme de blessure intérieure. Alors ce soir, j'aimerais mmh. parler mais très franchement à tous ceux qui m'écoutent. Si vous avez Amen. Un différend, si vous avez eu des soucis, vous avez eu des problèmes à un moment donné de votre vie, mmh. dans votre relation, dans votre couple, ça arrive à tout le monde d'ailleurs, mais il faut mettre le doigt sur le problème. Il Amen. Faut le traiter. Mmh. Il faut le régler. Amen. Si on ne le règle pas, ceci risque de créer des blessures intérieures. Et ces blessures intérieures, généralement, plongent le couple dans la solitude. Amen. Amen. L'irresponsabilité dont j'avais parlé tout à l'heure. Lorsque l'homme n'est pas responsable, lorsque la femme n'est pas responsable, mm. lorsque l'un des partenaires n'assume pas mm. ses responsabilités comme il se doit, mm. cela crée, n'est-ce pas, une forme de solitude. Yes. Aujourd'hui, c'est vrai, tu dis que tu es marié, mais tu sais au plus profond de toi que tu vis une forme de solitude. Parce que tu te bats seul. Tu prends les décisions seul. Mm. Tu fais quasiment tout seul. Il n'y a même pas une différence entre toi et un homme marié. Il n'y a même pas une différence entre toi et une femme mariée. Des choses qui sont censées être faites mm. par ta femme ne sont pas faites. Mm. Les choses qui sont censées être faites par ton mari ne sont pas faites. Mm. Et tu as l'impression de te battre avec le vent. Tu as l'impression de combattre seul. Pourquoi ? Parce que au plus profond de toi, tu ressens une forme de solitude. Yes. Il est temps que le Seigneur puisse te guérir. Amen. Il est temps Amen. Que tu... Déjà, le frère me dit, c'est quoi la solution? La solution déjà, c'est de venir devant Dieu et de commencer à parler à Dieu. Yes, c'est d'être vrai. La solution, la première solution, c'est déjà de déposer ce fardeau devant la croix de Jésus. Oui. Vous savez, généralement, on échoue lorsqu'on cherche à faire les choses. La solution des hommes. Voilà, on cherche à amener par la baguette magique, la facilité à résoudre des problèmes, à résoudre mmh. tel ou tel problème. Mais le Seigneur dit, déchargez-vous Amen. De vos fardeaux. Amen, amen, amen. Vous devez ce matin, ou ce soir, pardon, excusez-moi, vous décharger de ces fardeaux que longtemps mmh. vous avez portés seul. Amen. Parce que vous êtes seul à porter ce fardeau. Tu es seul à porter ce fardeau. Mm. Tu es la seule à porter ce fardeau. Amen. Il est temps qu'à partir de ce soir, que tu te dis, Seigneur, je suis fatigué de le porter seul. Je suis épuisé, Amen. Mais je le dépose devant ta croix. Dépose ce fardeau devant la croix de Jésus. Come on, dépose ce sac, dépose cette valise. Alléluia. Dis, Seigneur, je suis fatigué, je suis accablé. Je les dépose devant ta croix. Cherche par la prière. À prier pour ton mariage, à prier pour ton partenaire. Alléluia. À prier pour son cœur. Mm. Et la deuxième solution, cherche à avoir un temps d'échange, d'intimité, de discussion, sincère, vraie,
Alléluia. Avec ton époux ou avec ton épouse. Mm. Cherche à aborder le problème. Parle-lui-en. Dis, ma chérie ou mon chéri, voilà telle ou telle situation me préoccupe. Mm. Je souhaite qu'on aborde tel ou tel problème. Je souhaite qu'on aborde telle ou telle situation. Amen. Parlez-en. Yes. Sincèrement comme des enfants vraiment, de Dieu. Exactement, exactement. Commence par la prière. Mm-hmm. Et cherche à avoir un temps. Mm. Mm. Encore là, c'est encore un, enfin, c'est un art. Parce que lorsque je dis parlez-en, discutez-en, mm. il ne faut pas rentrer dans le jugement. Non. Il ne faut pas rentrer exactement. dans voilà, à commencer à jeter des pierres. Il faut beaucoup de sagesse. Il faut beaucoup de sagesse. J'ai l'habitude de dire ceci. Si le serpent, si le serpent a été tué dans le jardin d'Éden, on n'allait pas avoir le problème avec le dragon dans l'Apocalypse. Mmh. Je m'explique. Lorsqu'on parle de serpent dans le jardin d'Éden, on parle d'un serpent. Mais lorsqu'on parle du diable dans l'Apocalypse, mais on parle du dragon. Ce qui veut dire tout simplement que s'il y a des choses que vous qui sont tout petits et que vous n'arrivez pas à régler, c'est pas plus tard que vous allez régler cela. Alléluia. Est-ce que vous êtes connecté? Alors on a eu un problème de connexion. D'accord, donc on va continuer. On a eu un problème de connexion. Restez en ligne. Restez en ligne, restez connecté. Restez en ligne, nous allons trouver une solution. Amen, 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 amen. Break every chains. Break every chains. Oh, 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 there is power, there is power, there is power, there is power, there is power. Je disais ceci, que si le serpent avait été tué dans le jardin d'Éden, on n'aurait pas à parler du dragon dans l'Apocalypse. Cela veut dire que si il y a des problèmes que vous n'arrivez pas, qui sont tout petits, qui sont banals, que lorsqu'on n'en arrive pas à régler, cela demain peut devenir un réel souci pour vous, réel souci pour votre couple. Alléluia. Oui, connectez-vous, nous avons eu un souci, mais tout est rentré dans l'ordre et le Seigneur est à l'œuvre. Amen. Donc, cela veut dire tout simplement qu'il faut s'asseoir. Il faut prendre ses courage à deux mains et de se dire, il va falloir que j'affronte la chose. Il va falloir que j'affronte la situation. Il va falloir que je parle à mon mari. Il va falloir que je parle à ma femme. Il va falloir que je parle à mon fiancé ou mon compagnon ou celle qui partage ma vie. Voyez-vous, il va falloir en parler. Alléluia. Et ce sera ces choses-là qui vont vous aider. Et quand vous allez parler, demandez au Seigneur de vous donner la sagesse. La sagesse de placer les mots là où il faut placer. Yes. De vous donner l'art de communiquer, de la communication. Alléluia. La Bible déclare que lorsque Esther a su que son peuple allait être condamné, elle s'est dit, moi, qu'est-ce que je peux faire, moi seule, pour un peuple? Et le Saint-Esprit lui a inspiré, lui a donné cette pensée
de prendre 3 jours de jeûne et de prière. Ensuite, d'affronter le roi. Ensuite, de demander la faveur du roi. Comment j'aime ce mot, la faveur. Mais l'Esprit de Dieu l'a conduit à se mettre à part pendant 3 jours pour avoir la faveur du roi. Mais Esther ne s'est pas levée comme ça pour dire que, ok, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non. Elle a consulté le Seigneur pour avoir la solution à ce problème. Et la Bible déclare que lorsqu'elle a consulté le Seigneur lui a dit exactement ce qu'elle devait faire. Mais elle a triomphé. Et nous voyons même dans la Bible, à chaque fois que David allait au combat, la Bible me dit ceci, et David consulta l'Éternel. Lorsque David consulte le Seigneur lui dit exactement ce qu'il doit faire et comment il doit procéder. Et c'est ce que tu dois faire. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler la solitude. Mais nous allons encore poursuivre sur le sujet. Nous allons vous dire le vendredi prochain ce que vous devez faire et comment vous devez faire pour remédier à ce problème. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Et le Seigneur nous fera du bien. Alléluia. Nous allons prier, nous allons rendre grâce au Seigneur pour ce moment que nous venons de passer dans sa présence. Ce soir, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur vous a parlé. Le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur nous a tous parlé. Eh bien, la question de la solitude mérite vraiment une attention particulière. Dieu vous a parlé. Nous vous avons donné les clés pour vous aider, pour vous permettre de sortir, n'est-ce pas, de la solitude. Alors ce soir, je souhaite vivement que tu puisses vraiment venir devant Dieu, présenter ton cœur, dire Seigneur, me voici dans la solitude, voici l'état de mon cœur, je te présente ma situation, j'ai tant besoin de toi. Si tu te retrouves dans de telles situations ce soir, cette émission est faite pour toi. Si le Seigneur a permis que tu entendes cette parole, si le Seigneur a permis que tu écoutes cette parole, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie ce soir. Parce que le Seigneur veut te restaurer. Parce que le Seigneur veut te renouveler. Parce que le Seigneur veut combler cette solitude au plus profond de ton cœur. Alors ce soir, j'aimerais prier avec vous. Seigneur, merci. Tu es le véritable, pour ta présence, Seigneur. Merci pour ce temps que nous avons eu à passer ensemble. Seigneur, merci pour ton esprit. Merci pour ta grâce. Je te bénis. Je te loue, je t'exalte. Parce que tu es formidable. Parce que nous Seigneur, tu nous as parlé. Tu nous as montré combien tu es grand. Tu nous as montré combien tu souhaites que nous soyons comblés dans nos mariages. Parce que ta main n'est pas courte pour agir. Pour tout ce que tu as fait. Merci, Jésus. Merci pour ces paroles qui sont sorties. Ces paroles de bénédiction qui ont comblé des cœurs. Merci pour la guérison des âmes. Ces paroles de bénédiction qui ont comblé des vies. Merci pour la guérison des cœurs brisés. Merci pour la guérison des cœurs abattus. Je te dis merci ce soir. Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Pour ta main, Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé, Papa. Alléluia. Seigneur, j'élève ton nom dans chaque vie. Amen, connecté. Comme un étendard, j'élève ton nom, Père. Il est écrit que devant le nom de Jésus, tout genou fléchisse. Amen. Et que toute langue confesse que tu es Dieu, Seigneur. Seigneur, toi, tu es celui qui est capable d'incliner le cœur du roi. Amen. Et de donner la direction que tu veux, Seigneur. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tes enfants se sont connectés ce soir. Mais je sais une chose, qu'à travers, Seigneur, Dieu de gloire, nos voix, à travers ta parole, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur, ils ne seront plus les mêmes personnes, Amen. Papa. Ils ne partiront plus les mêmes personnes, Seigneur Jésus-Christ Amen. De Nazareth. Amen. Merci pour la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci à vous, vous qui étiez nombreux ce soir à vous connecter. Amen. Ça a été un véritable plaisir de vous retrouver.
avec nous pendant cette émission. Nous voulons vous donner rendez-vous la semaine prochaine, le vendredi. C'est vraiment un temps que le Seigneur utilise pour parler aux familles. C'est un temps que le Seigneur utilise pour parler aux couples. Alors que la création. Donc je vous encourage, mes chers amis, à ne pas vous priver de ces moments. Je vous encourage à ne pas passer à côté de ces moments. Soyez présents. Parlez-en autour de vous. Parlez-en à un frère. Parlez-en à une sœur. Parlez-en autour de vous pour que d'autres personnes puissent accueillir et recevoir la bénédiction de Dieu. Donc rendez-vous le vendredi, à 20h. Le direct sera toujours disponible sur ma page. Vous pouvez le regarder en différé. Et nous allons aussi déposer le même direct, la vidéo de ce soir, sur notre chaîne YouTube EVC TV. Donc, vous avez la possibilité d'aller sur YouTube pour suivre. Exactement. Regardez encore. Et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, à la si vous page, n'êtes pas abonné, abonnez-vous. À la page du Révérend Syriac, à la Syriac page Dikini de et Inès Dikini. Inès Dikini pour suivre toutes nos actualités. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter une excellente nuit. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. À très bientôt. À vendredi. Bisous. Hallelujah.